Bonjour, on est en plein stage, là j'en profite, c'est un petit peu la pause pour faire un petit jus. Pendant le stage, là on a beaucoup parlé de candidoses, hein. Vous savez, les petites levures qui deviennent champignons filamenteux et qui s'immiscent un petit peu partout dans l'organisme et qui viennent impacter tout notre organisme au point de diriger nos désirs, nos volontés, nos addictions, nos comportements. Et qui donne cet esprit brumeux, cette colère, cette angoisse qu'on peut voir chez certaines personnes, la caractère déprimé, fatigué, fatigué chronique. Ces candidoses qui littéralement s'immiscent dans tous nos tissus et viennent roger littéralement. La candidose, c'est un problème récurrent, c'est un problème récurrent lié à l'alimentation moderne particulièrement, hein, puisque les candidoses apparaissent, ces champignons-là commencent à muter parce que le terrain est acide et particulièrement congestionné. Et ces candidats, ils se nourrissent aussi énormément de sucre. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un jus un petit peu spécial candidat, si on peut dire comme ça. En tout cas, un bon jus vert, comme diraient les Québécois. Un bon jus vert pour nettoyer cette flore intestinale. Parce qu'au final, pour nettoyer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la chlorophylle. Parce que la chlorophylle, c'est de l'oxygène. Et toutes ces levures et ces champignons, il y a une chose qu'ils n'aiment pas, c'est l'oxygène. Ils vivent en milieu anaérobie, c'est-à-dire en l'absence d'oxygène. Et si on leur apporte directement de l'oxygène, eh bien, c'est quelque chose qui les dérange passablement. Il est certain que lutter contre les candidats, c'est vain. C'est en changeant le terrain, c'est-à-dire que les champignons apparaissent parce qu'il y a des déchets à consommer, c'est en changeant le terrain finalement qu'on arrivera à les voir disparaître. Mais en attendant, réguler les populations, les maintenir sous contrôle peut être aussi intéressant quand on souffre vraiment de symptômes liés à cette candidose. Alors j'avais envie de vous proposer un jus un peu tout simple, un jus pur vert. On a pris un petit peu ce qu'il y avait là de saison. Alors déjà, quand on va parler de candidat, il y a un produit qui est très très intéressant, c'est l'ail. L'ail, ça contient du soufre, qui est un antifongique, entre guillemets, je dirais plutôt à ces concentrations-là, régulateur de l'inflammation fongique, de l'infestation fongique. Pas pour rien qu'on l'utilise par exemple sur les cultures, hein, en agriculture traditionnelle, on utilise le soufre en grande quantité, le sulfate de cuivre par exemple, pour lutter contre les champignons et les maladies cryptogamiques. Mais là, c'est exactement la même chose. L'ail, dans l'alimentation, va lutter, entre guillemets, contre le candida. Si tant est qu'il faille lutter, puisque je vous ai expliqué qu'il était là uniquement pour répondre à l'état de congestion globale du système. Mais avec de l'ail, on va pouvoir permettre de réguler les populations en attendant que ça diminue. Ensuite, j'ai pris curcuma et gingembre, les classiques, curcuma, régulateur de l'inflammation, gingembre, qui va nettoyer, qui va rafraîchir, qui va permettre une meilleure utilisation des nutriments par la cellule, et super bon au demeurant. Ensuite, fenouil de saison. J'aime beaucoup le fenouil pour la sphère digestive. Ça nettoie bien, ça rafraîchit, ça facilite la digestion. C'est un légume en plus qui donne beaucoup, beaucoup de jus, qui donne un goût très anisé. J'aime énormément. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, je coupe mon fenouil un petit peu, je le détaille comme ça. Et pas la peine de le couper. C'est un végétal assez tendre. Donc, on peut le couper grossièrement. Voilà. Fenouil. Ensuite, j'ai des tas de petits concombres. Eux, on va les prendre tels quels. C'est les derniers concombres de la saison, les tout petits comme ça. Le concombre, pareil, c'est plein d'eau, plein de minéraux. Et quand on parle de lutter contre les candidoses infestives, eh bien, c'est vraiment apporter une grande quantité de chlorophylle et de minéraux. Ensuite, alors là, petit préféré, de la coriandre. La coriandre fraîche, c'est une plante que j'aime énormément en jus, la coriandre. Elle a des propriétés très particulières pour s'attaquer à tous les produits toxiques. On l'utilise énormément pour les chélations, par exemple, de métaux lourds. La coriandre, elle a la capacité à mobiliser les matières toxiques à l'intérieur même des tissus. Et ajouter de la coriandre régulièrement dans ces jus, c'est favoriser une détoxination progressive. Plutôt que de prendre des produits concentrés, utiliser de la coriandre au quotidien. Coriandre, persil, tous ces végétaux verts sombres vont être excellents pour amener cette chlorophylle. Ensuite, céleri branche, pour apporter beaucoup de jus, du sel, du sodium pour les fatigués chroniques, parce que toutes les personnes, quand on parle de candidose, on parle de fatigue chronique, quand on parle de fatigue chronique, on parle de candidose. Parce que plus on est fatigué, bien moins ça va circuler au niveau des intestins, moins ça circule, plus ça fermente, plus les candidoses se régalent, plus les candidoses se régalent, plus elles commencent à altérer la paroi intestinale, et finalement, plus il y a de matières inappropriées qui passent, et plus on est fatigué. Et puis pour terminer, épinards, pareil, pour les intestins, absolument extraordinaire. Alors quand on fait un jus comme ça, je vous conseille vraiment d'alterner les produits, de passer des très juteux, des moyennement juteux. Par exemple avec la coriandre, moi j'aime bien alterner la coriandre, hop, et un petit peu de concombre. Le céleri branche aussi, il donne beaucoup de jus. Au final, vous avez compris, de toute façon, c'est toujours la même chose.
c'est apporter un maximum de chlorophylle et d'oxygène. La chlorophylle, c'est vraiment un élément qui assainit le système à un point qu'on imagine à peine. La chlorophylle, on la trouve partout, hein, dans les légumes verts. On pourrait prendre aussi des plantes sauvages, hein, pour ce jus. Ça donnerait un caractère un peu plus amer, on va dire, qui travaillerait aussi sur le foie. Pas mal venu. L'important, de toute façon, c'est toujours la même chose. Plutôt que de s'inquiéter, de savoir exactement quelle propriété de quel légume, c'est amener une quantité colossale de minéraux, d'antioxydants, de chlorophylle à un corps qui en a été privé pendant des années, parce que c'est le cas à peu près pour tout le monde. Et enfin, rapporter de la vraie nutrition, non pas des quantités de calories vides, comme on dit, c'est-à-dire des macronutriments privés de vitamines et de minéraux, mais vraiment apporter une nutrition qui va aller directement à la cellule. Là, on est en plein dedans. Pour l'ail d'ailleurs, avec la peau, pas la peine de s'embêter, tout est pressé. Curcuma, allez hop, on met ça. Gingembre, on va mettre la moitié du bulbe. Et on repart, on alterne. Alors, on aurait pu mettre, oui, des plantes sauvages. On aurait pu mettre, qu'est-ce qu'on aurait, de la mâche en cette saison qui va donner un jus un peu plus mucilagineux, un peu plus épais. Ah, je vais en profiter pour passer les épinards. Hop. Ça, c'est pas la bonne technique. Ça, c'est la technique brutos. On bourre jusqu'à ce que ça rentre. Pareil que c'est pas très rationnel comme technique. Les épinards, ils ont un jus qui est assez épais. Pour extraire le mieux, c'est vraiment là, ça vaut le coup d'alterner avec le céleri manche. Regardez-moi cette couleur qui descend là. C'est absolument magnifique. Ah, super, merci beaucoup. Ah, on va trinquer à plusieurs en plus. Merci Silou. Là, c'est chouette de faire des jus dans ces conditions-là. Tout est installé, petit setup en dehors là, à l'ombre, tranquille. Un peu l'arrière-cuisine là du stage. Ah, d'ailleurs, regardez derrière moi là, on a des kilos et des kilos de fruits, de légumes qui sont arrivés, des mangues absolument somptueuses qui arrivent d'Espagne aussi. C'est quand même incroyable de voir à quel point finalement on est entouré d'une nourriture délicieuse, abondante, et qu'on s'obstine à manger des aliments pour lesquels on n'est pas fait, qui nous rendent malades, qui nous font avoir des gaz, des flatulences, avoir mal aux intestins. C'est vraiment qu'on a été habitué, on a été complètement addict à ces produits-là. Et les candidats, ils ne sont pas pour rien finalement, parce qu'on s'est rendu compte que l'un des déchets métaboliques des candidats, ben, c'était de l'acétaldéhyde. Et cet acétaldéhyde, eh bien, il vient directement interférer avec la dopamine et la sérotonine pour conduire à des addictions. C'est-à-dire que ces candidats albicans, une fois qu'ils ont pris une forme pathogène dans l'organisme, eh bien, ils vont littéralement prendre le contrôle de vos attirances, de vos appétences alimentaires, mais même plus que ça, sexuelles aussi, toutes vos appétences au niveau de votre vie, et diriger ça dans le sens de leur propre prolifération. Donc vous êtes littéralement sous contrôle, c'est une expression que j'aime bien utiliser. Mais ce n'est pas la peine de chercher des structures extérieures qui nous contrôleraient. On en a déjà des intérieures. Ces structures intérieures, ben c'est tous ces champignons qui se développent à l'intérieur même de notre organisme. Vous savez comment le cancer maintenant, ou ce genre de maladie, ben sont considérés comme des candidoses à grande échelle. Et donc, rajouter du verre en quantité pour quelque part ralentir un petit peu cette prolifération délirante et nettoyer avant tout. La chlorophylle, comme ça, particulièrement dans les épinards, va aussi contribuer énormément à pulvériser tout ce qui est dépôts acides dans les intestins. On ne se rend pas compte à quel point, finalement, les dépôts qu'on a au niveau des muqueuses, eh bien, ils sont durs et solidifiés. Quand on est déshydraté, quand on est acidifié, ben, toutes les muqueuses de l'organisme, que ce soit les poumons, que ce soit les intestins, toutes les muqueuses de l'organisme vont être sèches. Et une muqueuse qui est sèche, c'est une muqueuse qui n'assimile pas et qui n'élimine pas, puisqu'une muqueuse, ça fonctionne toujours dans les deux sens. Et donc, rapporter des minéraux avec de l'eau, parce que c'est toujours les deux qu'il faut amener ensemble, ça ne sert à rien d'amener de l'eau seule. Si on est déminéralisé, on ne fixe pas l'eau, ça ne sert à rien, on aura beau boire autant d'eau qu'on veut, on va faire de l'œdème, et pourtant, ben, finalement, on ne fixera pas l'eau. L'important, c'est vraiment d'apporter eau et minéraux. Ah tiens, ouais, en parlant d'eau et de minéraux, on m'apporte un petit peu de plasma de Quinton aussi. J'aime bien le rajouter dans ces jus-là, ça fait des jus bien bien salés. Et là, pour le coup, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a du sodium, on a des minéraux en grande quantité, on a de l'eau. De toute façon, il faut bien penser que dans le corps humain,
il n'y a pas de rétention d'eau s'il n'y a pas de rétention de sodium et réciproquement. C'est-à-dire que les minéraux et l'eau, ils fonctionnent toujours en tandem. On ne peut pas parler d'une expérience d'hydratation profonde s'il n'y a pas une expérience de reminéralisation profonde. C'est vain. C'est complètement vain. Allez, on arrive au bout. Magnifique. Allez, je passe ça encore. On demande souvent, il y a des gens qui se posent encore la question de savoir pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de faire des jus. Quand vous voyez la quantité de verdure, de légumes verts qu'il y a là-dedans, je ne les aurais jamais mangés en une journée. Là, l'avantage, c'est que ça va me faire un litre que je vais boire tranquillement, progressivement. Pensez bien qu'il y a beaucoup de nutriments. Donc, il ne s'agit pas de l'avaler d'un seul coup sans prendre le temps d'assimiler. Mais là, je vais avoir l'équivalent d'un litre qui va être consommé en 2-3 heures tranquillement, mais que je n'aurais jamais consommé sans ça. Donc, on ne peut pas avoir un équivalent en termes d'apport nutritionnel à moins de passer son temps à manger des feuilles vertes, bon, ce qui est possible, mais enfin, on n'est pas des bonobos. En tout cas, moi, je n'ai pas un mode de vie de bonobo, malheureusement peut-être. Et donc, je n'ai pas l'occasion ni le temps dans ma journée de passer mon temps à mâchouiller des feuilles vertes. Là, avec l'extracteur de jus, quelque part, c'est lui qui le fait pour moi. Il me prépare le travail et me permet d'avoir ce jus magnifique. Allez, encore un tout petit peu. Encore un tout petit peu de verdure pour terminer. Ah, c'est un bonheur de voir toute cette verdure. Plus j'en fais des jus et plus finalement j'apprécie des jus vraiment de verdure uniquement. Pour moi, l'extracteur de jus excelle vraiment quand il s'agit de faire des jus de légumes. Les fruits, particulièrement pour les gens qui sont fatigués, qui ont les glandes surrénales épuisées, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire des jus de fruits. Gardons les fibres au maximum pour ne pas avoir trop de sucre d'un seul coup qui arrive comme un à-coup dans l'organisme. Par contre, pour les légumes et les légumes verts en particulier, c'est extraordinaire. Ça me rappelle un peu les jus que je me faisais quand j'étais à l'Institut Hippocrate aux États-Unis, c'est il y a bien longtemps, il y a 7 ou 8 ans. Et ils ne jurent que par les jus purement verts, comme ça, avec une base de céleri concombre. Allez, un dernier petit concombre. Un petit peu de curcuma quand même pour le plaisir. Voilà. On va s'arrêter là. Ouais, là c'est bien plein. Alors le jus, j'aime bien le passer, effectivement. Je trouve que c'est un plus. Ça permet d'enlever les petits peu de fibres qu'il pourrait y avoir. Et ça permet d'avoir une bien bien meilleure utilisation et assimilation. Hop, j'enlève ça. Voilà. Donc tout simplement. Voilà. Magnifique. Oh yes. Oh, avec la louche. Demandez, vous recevrez. Oh génie, apporte-moi une louche. Voilà. Alors, vous voyez quand même, finalement, on arrive à retirer encore un tout petit peu de fibres. Et franchement, je trouve que enlever ça dans le jus, ça le rend beaucoup, beaucoup plus digeste. Et voilà. On enlève ça. Je passe bien. C'est la méthode idéale pour passer. Il faudrait qu'au début, j'utilisais des sacs à jus, mais franchement, entre tripatouiller avec les mains ou passer ça dans une passoire, ça a été tout vu. Et maintenant, je rajoute un petit peu de plasma de Quinton. Donc là, je les prends à l'hypertonique, mais simplement, ce que je fais, c'est que comme je le rajoute dans une grande quantité de liquide, ça me permet de le ramener à l'isotonie. On ne jamais consommer l'eau de mer directement, que ce soit du plasma de Quinton ou de l'eau de mer. C'est un petit peu trop violent pour les reins qu'on a maintenant. Par contre, en rajouter une bonne rincée, voilà, comme ça, pour un litre. Je fais ça un petit peu à vue de nez, comme on dit. Et voilà la petite réserve pour l'après-midi. Regardez-moi cette couleur. Il est magnifique. Superbe. Là, ça va faire un après-midi de nutriments qui est disponible, que j'ai sous la main, directement, prêt à consommer. Tenez, puisqu'il y a, l'équipe technique qui m'a aidé. Allez, dégustation. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vas-y, vas-y. Ah, moi je me réserve les dernières gouttes. Ah, ce goût salé mélangé à l'ail, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, non, mais sérieusement. Non. Ils sont bons publics, mais il est pas mal. Je me dope à ça, là. Je m'en fais l'équivalent de 2 litres par jour. Fabuleux. Fabuleux, hein. Et quand ça... Ouais.
Et puis alors quand on mange beaucoup beaucoup de fruits, qu'on est particulièrement fatigué, le côté un peu salé là, ça vient vraiment à point nommé. Avec là, je trouve que c'est, on n'imagine pas qu'on puisse se régaler autant avec un jus fait avec uniquement des verdures. On a l'impression qu'il faut toujours mettre beaucoup de sucre. Et moi, je trouve que c'est un jus très apéritif. Pardon? Il n'y en a pas du tout de Ah, il n'y a sucre. pas du tout de sucre. C'est concombre, céleri, épinards, coriandre, fenouil, ail, gingembre et curcuma. Il n'y a pas du tout de sucre. Et moi, je te dis, plus j'en fais des jus et plus j'apprécie des jus vraiment verts comme ça, et puis de manger mes fruits. T'as fait un gros plan là sur les mangues un petit peu. C'est magnifique quoi. Là, ok, les fruits, on les mange. Les mangues comme ça, on les mange. Ça se mange. Et puis ça se boit. Autant de verdure, ça se boit. Alors, quand on parle d'être sous contrôle, si on veut un peu limiter le contrôle des petits champignons qui nous infectent l'organisme, moi j'ai tout vu. Je choisis de boire des jus de légumes, des jus verts, comme diraient les amis québécois. Et avec ça, effectivement, eh bien, on maintient les populations sous contrôle. Il ne s'agit pas de les éradiquer. De toute façon, une expérience pour se débarrasser des candidats, ça sera uniquement une expérience dans laquelle on aura nettoyé la majorité des déchets de l'organisme. Mais avec ça, on va pouvoir les garder sous contrôle en attendant qu'on ait gagné le combat définitivement de la toxicité et de l'engorgement. Bon jus! Oh yes, le final. Merci François.